avec 45 minutes pour suivre le journal créole, première occasion. Un journal un peu spécial matin, hein, et puisque nous avons dans 3 jours grand carnaval, donc nous avons fait quand même journal ça, de façon spéciale matin. Nous avons recevoir le magistrat Thomas Zohan, Charles Clermont, hein, puisque il y a une information qui a circulé comme quoi il a gagné l'argent carnaval normal. Et pourtant, c'est pas ta vie, hein, c'est ça, magistrat. Bonjour. Oui, bonjour, Guerrier. Bonjour, camarades. Bonjour, PDG Radio. Et nous saluons l'Éternel des armées qui a une opportunité pour nous là, dans son 94, verset 17. Et matin, je me déplacer, et spécialement venir là, c'est concernant la circulation qui gagnait dans Tomazo et que jeunesse là a mis dans une situation qui est difficile avec des bagailles que qui va réel. Donc nous passons là matin, hein, puisque il y a des leaders qui dit que tu as 4 millions de gouttes pour carnaval dans Tomazo. Entre temps, moi-même, t'as le vérifier dans le ministère, à nos parents, hein. Donc, n'a pas de monde, ça, yo, qui dit qu'il y a 4 millions de gouttes là. Yo, t'as qu'à marcher avec chèque, qui yo recevoir, qui gagne comme ça. Donc, là, ça, yo, t'as fait suite légale, au lieu d'y aller, à induire population en erreur, et faire, yo, faire ça, yo, pas de faire, et pour yo dire que, la guetraque, dit, nous, c'est voleur, nous, si, nous, ça, et pour que, population, ou jeune, en pile là-dedans, yo, qu'on y a qui n'a confusion, qui pas connaît exactement, qui pas pour aller chercher information. Donc, laisse ça, ou joigne, mounio, qui lague, qui pourrait pour faire toute bagaille, sans que yo pas chercher preuve. C'est pour ça, matin, nous-mêmes, nous lançons appel avec, jeunes filles, jeunes garçons, grand monde qui vient à nan Tomazo, pour que yo pas prend nan mode intimidation, ça yo, pour yo pas prend nan, diffamation, ça yo. Si que yo ta besoin information, remis aller dans le ministère de l'Intérieur à chercher information parce que gen un pile l'autre traqué au lagé que nous gen nan men nous gardé yo et qui dit un pile l'autre bagaille côté que yo même dit nous vend on parti dans Tomazo pour 640 000 goud donc m'a pas nous ta capable gon commune pour nous pral vendre pour 640 000 goud laisse ça ou joine détracteur ça yo k'ap vinn faire des ordres k'ap vinn faire ça yo pas dû faire dans la commune. Donc matin, nous lançons appel avec la population pour yo rete avec tête yo bien reposé sous épaule yo pour que yo pas quitter moun induit yo en erreur pour y aller faire ça que yo pas de faire. D'accord. Et merci en pile, Maïssa, nous espérons que le message est passé. Donc ou même ou pas gain rien la mort pour faire carnaval tout. Bon, et nous pas dit nous gain en pile et groupe qui était écrit nous. Groupe ça yo nous fait ça nous capable nous supporter yo et nous supporter et la police non gens pour être capable gérer quelques jeunes dans moment carnaval là pour te bailler sécurité. C'est vrai que moi me bat dans camper dans carnaval puisque moi me dans mission mais monsieur que gagner monde qui était là pour groupe ça yo dans la haut et dans mitan centre-ville là et groupe rara donc nous t'ai servi avec eux ba yo moyen que nous ça nous gagner pour nous même yo t'ai ca et animer mettre animation pour population donc nous pense son bagage qui réussit nous dit jeunes ça yo qui t'ai prend initiative ça yo nous saluer courage yo parce que faire tout ça yo capable pour t'ai réussi ça yo d'affaire et l'épée que nous t'ai gagné nous t'ai ba yo pour eux même yo t'ai capable faire ça. D'accord. Merci un peu le magistrat, bonne journée. Charles Clermont, magistrat à Tomazo. Situation compliquée pour environ 7300 haïtiens qui bloqués sur frontière nord pays Mexique avec États-Unis depuis quelques mois. Haïtien Sayo qui sorti Brésil à République Dominicaine tape tenté rentrer illégalement sur territoire américain. C'est une catastrophe humanitaire d'après une organisation internationale qui relaie USICIA, organisation ça qui est branchée en Haïti, lancée SOS by autorité pour porter secours à un citoyen haïtien Sayo qui trouvait sous frontière nord pays Mexique avec États-Unis. D'après le coordonnateur organisation ça pour Haïti, Chéri Wilgens qui était dans le micro Caraïbes FM. Okay.
organisation ça qui c'est United Chaplains International USCIA qui font des paillons haïtiens qui vivent au Mexique depuis dans l'année 2008. Nous avons évalué, l'engagé d'après information nous joignent, gagné 19 300 haïtiens qui sont sous frontière nord Mexique là qui bloqué dans zone Tijuana, Nogales, Mexicali. Dans même idée ça, organisation te prend en charge pour te chita ensemble avec Mounzao, parler ensemble avec eux et évaluer en plus les problèmes non. Et c'est dans l'évaluation ça nous a constaté qu'il y a un pile femme enceinte dans la famille Mounzao, il y a un pile Timundo. Et on a précisé pour femme enceinte ça, c'est femme parfois qui entendent yo même pour enceinte sous parcours, en façon que les arrivés sous frontière, pour être capable d'avoir une possibilité pour traverser, aller aux États-Unis plus facile, ça qui n'est pas traité trop facile pour eux. Donc l'organisation prend en charge soins santé pour femme ça qui enceinte là. Yo prend soins alimentaires pour tout le monde ça yo. Et il y a possibilité pour chiter ensemble avec eux, avec des conseillers, pour parler avec eux sur le plan juridique, pour comprendre comment ils sont capables de traiter le dossier. Parce qu'en pile dans le monde qui sous frontière, ils n'ont pas de papier dans la main, ils n'ont pas de passeport. Les autres qui n'ont pas de passeport, n'ont pas de fait sur route, ils sont obligés de jeter le passeport sur route, en façon que ils n'ont pas de temps pour les haïtiens pour les retourner à la caille. Donc nous trouvons nous dans une situation, un paquet haïtiens sans papier sous frontière, non mexicain qui est bloqué. Et nous-mêmes, dans le cadre de planification, nous chita ensemble avec des autres organisations et des ambassades, surtout ambassade Canada, qui va en pile à port ensemble avec nous dans ce sens-là, côté, ils ont accepté la quantité de gens qui sont sous frontière, à savoir 7300 qui étaient là actuellement sous frontière non mexicain. Ils ont décidé de prendre 1000 bonos, ambassade Canada. Dans 1000, ça y a pris 400 là-dedans, dossier qui était prêté ensemble avec Canada. Et gagné, reste là, dossier à fin d'été, dans l'espace de 3 mois. Pour cela, nous-mêmes, nous venons avec conférence de presse à Boïsid, pour nous annoncer un cri d'alarme. Parce que quand pile là, ici, ça y a retourné ici quand même. Donc, les retournés sont catastrophes librairiers pour parents qui dépensent tout l'argent pour voir un petit monde aller au Brésil, aller au Chili, puis la tourne Vignonine qui va balancer. Donc, nous-mêmes, nous prenons devant pour nous dire que nous avons un espace à préserver pour tous les parents, ça y a, ou du moins tout le monde qui va suivre. Bichot ça, nous avons un bureau nous, du côté de Bourg-Bourg en pleine, route nationale numéro 1, village Avada numéro 13. Donc c'est là que nous avons un centre d'appel et nous allons élaborer cette mesure que l'organisation lui-même nous prend qui pour permettre que nous résoudre en partie dans le problème des haïtiens à vivre sous la frontière nord-mexicaine et qui bloquent l'autre bord. Parmi mes usagers, nous avons une lettre pour adresser avec le président de la République, qui c'est M. Jovenel Moïse, pour nous demander une planification pressée parce que nous avons une commission mixte pour monter, parce que nous avons une agence en grande organisation qui est CIPS, Corps international pour la paix sociale, qui est un pile jeune haïtien qui est en déposé CV, rejoignent nous dans l'équipe ça. Tout le monde qui est en domaine, c'est le monde qui rejoint nous dans l'équipe CIPS, pour nous capables d'appliquer un agenda que l'organisation a, qui est l'agenda 2030 pour le développement durable supporté par l'ONU. Donc pour cela, nous pourrons gagner un centre d'appel. Un centre d'appel qui pourrait ouvrir 7 sous 7 va permettre aux parents qui ont des gens qui bloquent sous frontière ça, capable d'entrer en contact avec nous parce qu'il y a là-dedans qui n'a pas de papier du tout. Et nous pourrons faire un pont entre bureau nous-mêmes ici avec bureau organisation internationale là, pour capable acheminer papier Mounsa pour nous capable de qui mesure Mounsa capable de venir identité. Et tout, nous pourrons chita pour nous monter une commission. La commission ça va gagner la dernière des psychologues et nous pourrons gagner 3 avocats. International, l'équipe ça, l'équipe des 5, pour nous chiter ensemble, pour nous traiter problème et garder le monde sur le cap venir, comment nous pouvons supporter. Dans le centre qui va aller pour le monde, ça va aller la caille pour aller vers une famille, comment la famille va recevoir, et problème n'est pas problème, le monde qui est l'autre bois seulement qui vient de balancer, mais le problème pour la famille, ça, qui te voyait petit, déplacé, qui te pays, défendre terre, vendre bien, et puis pour être le monde, ça va venir de balancer. Son choc familial, il va aller, pour cela, organisation. La mise en place nous gagner, nous pourrons chiter ensemble pour nous capables de planifier pour nous comment nous capables de gérer le problème. Ça. Et dans la mesure nous apprenons tout, nous avons une mesure de financement. Nous financer les jeunes à l'Ocapantria, soit ici à Port-au-Prince, soit dans la ville province côté capable, aider pour capable créer, ouvrir un business pour capable subvenir à des besoins. Nous capable de dire qui côté n'a bien de financement, oui, l'organisation lui-même, il gagne 2,5 millions membres à
travers le monde. Nous avons 193 pays. ISICIA, United Chaplains International. Nous avons 193 pays. Et même ça, nous déjà solidé avec le mouvement ça, avec possibilité ça qui gagne pour nous battre en allumé avec Haïtien ça qui bloqué sous frontière. Et nous avons parlé actuellement là de 7300 Haïtiens qui bloqués sous frontière Nord-Mexique là. Nous lançons un cri d'alarme avec tout Haïtien. C'est pas les nous avions à débarquer. Nous commençons à venir là et laisser après quelqu'un cri, après quelqu'un réel. Mais nous-mêmes, ISICIA Corporation, nous avons fait mise en place et nous avons fait préparation pour nous recevoir ça. Caraïbes FM, toujours à suivre journal créole pour une occasion. Il fait exactement 6 heures avec 55 minutes. Tout à l'heure, nous parler dans la cité de l'indépendance avec correspondant nous, Eric Julien, pour différents cas accidents qui fait à côté gagné deux jeunes garçons qui est mouru. Mais bon, nous recevons vice-président Bec Benéa, Jean-Marc Samuel, qui est passé là pour dénoncer les persécutions l'a pas subi. Bonjour. Bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour monsieur Guerrier, bonjour camarades qui sont console là. Nous saluons PDG Radio Patrick qui mettait gros ces instruments ça pour servir et population haïtienne non. Nous saluons tout le monde bénin et quel que soit côté oui. Dis-nous non rapidement ça qui gagne comme problème. Bon, et femme ou guerrier, moi-même moi c'est un jeune qui a bataille pour changer conditions de vie monde dans la communauté. Donc femme ou que avril 2015 moi c'est Youn Mambek, mais avant que me Mambek moi t'ai un chef d'organisation, moi t'ai coordonnateur de terrain organisateur les cours balba qui t'a fait politique et puis nous t'ai en face pouvoir à l'époque qui t'a bail problème que population estime qui pas de faire ou bien donc nous t'ai planifié un mouvement pour nous t'ai prendre la rue le 7 janvier 2015 par la suite. Mais 7 janvier, le mouvement d'abord le fait, à 1h du matin, il y a des individus qui mettent des défis la caméra. Donc, je fais constat, je fais suivi légal parce que je me connais depuis matin là, ça a arrivé. Donc, avril 2015, je viens de participer au concours, maintenant je viens de Mambek. Donc, je quitte toute activité politique parce que lorsque Mambek, on travaille avec le CP ou ses juges, ou PACA, et une position politique. Même j'ai l'impression, monsieur, dans la tête, vous comprenez que le fait que je suis facio, l'aide de l'organisation, je suis toujours en facio, mais qui passe ça? Maintenant, vous avez fait des offres pendant que je suis là. Vous avez offert un cob, de refuser. Vous avez offert un demi candidat avec vous, de refuser. Donc, par rapport à tout ça, il y a des persécutions politiques, verbales, agressions verbales, des nègres qui ont dit à tirer. Donc, je ne sais pas si ça importance. Mais la dernière élection que vous faites là, vous êtes guerrier, dans l'élection collectivité là, et monsieur aurait perdu encore l'élection parce que il était perdu d'abord député à l'époque il était perdu magistrat et maintenant dernier élection il aurait perdu en pile cadre en pile casek et plus délégué ville donc n'ayez la gagne encore moins et femme du 15 février à 1h du matin n'ayez tiré la caille moi même toujours dit c'est les perdants qui calcitrent. Mais n'est qui plus fait menacer M. PHT Kayo à l'époque, qui gagne un ancien député Malem François, dans tête le groupe ça, et qui gagne M. Nessine Restant, qui était candidat pour magistrat, sous même bâtissa à l'époque. Mm-hmm. Jusqu'à vous, c'est même ça qui a persécuté moi. Fomzo, que samedi soir, après tout ça, samedi soir, M. Lagontrak sous moi, malgré M. Babinel, M. Lagontrak, sous moi, dans Bénin, il dit c'est moi qui l'agile encore. Il dit c'est moi qui a cherché. Non, j'ai besoin de faire non parti, je tire la caille moi, fait tout ça. Il me dit monsieur, si je tire la caille là pour et la justice a supposé. Mais nous enquête, comment va tirer la caille? Est-ce que ça m'a réussi à se mettre des armes? Comment faire un petit la caille? Donc, fais à tout ça, moi, je viens pour me dénoncer tout ça, brigadier ça, que monsieur a fait, sous moi. Donc, moi, porte plainte au niveau du tribunal de paix, parce que me fait constat. Et moi, porte plainte au niveau du paquet. Et de Jacques Mel et aussi à la DCPJ. Donc, je pense que, et face à tout ça, je pense que Caraïbes FM, Grand Bourgeois, c'est une recouille. Je pense là pour me dénoncer Zach de Brigandaï qui a fait la caïmoué et qui est capable de mettre Vim en péril.
Monsieur Guerrier. D'accord. Eh bien, merci un pile. J'aime dire que nous avons un peu le temps. Et monsieur, au bas message là, en résumé. Oui, monsieur Guerrier, merci un pile. Parce que vous avez bon petit chance à matin. Merci beaucoup. Merci un pile. Bonne journée. Vice-président Bec Bénéan, Jean-Marc Samuel. Bonne journée, Gonaïve, avec Eric Julien et Grégory. Côté gagné, deux jeunes garçons qui sont morts dans un accident motocyclette. C'est hier soir. C'est donc pas trompé, nous. Gagné, il y a l'autre qui est blessé grave, qui a pris soin à l'hôpital. C'est deux accidents qui sont faits. Après, il y a plus de détails avec correspondant nous, Eric Julien, depuis Gonaïve. Deux jeunes garçons mourir carabinés parmi eux, Jean-Pierre Ilo et l'autre qui blessé grave a pris soin à la nécessité sous cabane de l'hôpital. Accident ça a reproduit respectivement sur route date ville Gonaïve et sur route nationale numéro 1 au niveau Pont-Gaudin. Tous deux accidents ça a fait sous motocyclette, soit par mauvaise conduite, soit par manque d'application règlement circulation. Laissez aller qui vient en question conduit véhicule dans ville Gonaïve, déjà compté plusieurs dizaines de cadavres dans l'espace tout court. Jean-Pierre Ilo, un jeune garçon 23 l'année mourir, badi journée ensemble, soirée mercredi 1er. Maintenant, après les mêmes actions en mille, sur une motocyclette, alors que une camionnette taxi t'a pas le campé devant eux et mourir sur les champs. L'autre jeune garçon a été blessé grave. Victime n'a gagné seulement un jour depuis le saut de Saint-Domingue pour venir participer dans la funéraille grand-papal. Jus de paix qui fait constat maintenant qu'as-tu bien aimé. Jus de paix qui fait constat maintenant qu'as-tu bien aimé. Confirmé, chauffeur camionnette l'a déjà sous contrôle la police poursuite nécessaire pendant le tapou tracé profil accident. Maintenant qu'as-tu bien aimé. Et quand il est arrivé sur les lieux là, il est venu constater jeune homme là, bien dans son nid. Et constater tout bon côté monsieur motocyclette, ça semblait que c'est sous motocyclette. Et machine qui objet accident, lui était dans le commissariat et chauffeur à tout dans le commissariat sous contrôle la justice. Non, je ne fais pas grand. Non, il était assemblé, suivant la police. Le TD est maltraité chauffeur. Vous avez dit que 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 vous avez dit transporté dans un morgue privé dans la ville. Comme rappel, accident circulation qui impliquait souvent motocyclette, taxi, presque pas étonné ni inquiété autorité, tellement ça fait souvent. Gonaïve, Julien, Eric, Caraïbes FM. Merci en pile, Julien, Eric, depuis Gonaïve. Tout à l'heure, après le parler avec agronome Armel Cazo sous question sécurité alimentaire. Mais bien avant, ben, nous recevoir Jean-Baptiste Vanis, qui lui-même gagne un problème dans pied, c'est oui, ça? Oui, oui, oui. Oui, qu'il est déjà recevoir là, mais elle passait là, justement, pour que les capables fait il y a une demande qui pas demande de l'argent, hein, mais plutôt les besoins là il y a nécessaire qui fait pour lui et bon côté ambassade chambre députée, chambre députée, hein, oui. On allez, bonjour. Bonjour monsieur Garrier, bonjour Haïti, bonjour le monde. Et non pas monsieur Jean-Baptiste Joannis, moi c'est ancien étudiant facté médecine dans IH en 4e année. Côté que moi j'étais victime pendant tellement de temps très très fort et moi j'étais fait environ de 11 jours en bas de corps, moi j'étais une famille de 9 monde, dans 9 monde moi j'étais seulement cap vivre là. Et depuis après me suis tout temps en Bacalan, je suis complètement paralysé en Bacalan. Jusqu'à présent, pourquoi j'aime retrouver santé, je suis de faire 5 opérations, je fais 3, je suis de me retrouver ces jambes droites et puis bras gauche. Au niveau des jambes droites, ce n'est pas très très compliqué pour opérer en Haïti par rapport moi au niveau des tibias qui pourrit en dedans, qui pourrit pas en dedans. Donc, pendant ma parole avant, au niveau des tibias, par tout dehors. Et c'est ce que vous prenez plusieurs fois dans l'émission Radio Caraïbes, et c'est ce que m'a voulu un gros coup de chapeau pour la presse là, comme il y a un pouvoir qui était existé toujours, parce que
et c'est la presse je vous dis si m'pa dit j'aime droit moi c'est la presse qui aide m'en pile pour que ça va arriver et c'est si que dans situation me retrouver là pendant que m'étais fin participer au niveau de radio moi te gain au niveau de chambre député qui te recevoir pendant que te recevoir et puis yo te garder car yo te ouais situation c'est si que pas quitter ça comme ça et pour tout de suite yo te écrit ambassade États-Unis pour moi faire demande de visa moi et c'est même tout quitter répond quitter sur ambassade là c'est même qui supporte économiquement et c'est si que ambassade là te venir relève yo te recevoir pendant yo te recevoir et ou regarder dans mon là monsieur Guerrier ou après gain un formulaire yo remettre pour me cap rempli côté que certificat médical en Haïti me gain et yo dit me faut que me baille une qui plus récent et puis faut que moi pour me retourner chambre d'hôpital tout pour chambre d'hôpital te chercher l'hôpital moi là-bas et un médecin qui prend responsabilité qui dit oui il ca opérer ca ça puis on veut nous l'hôpital là cap recevoir maintenant et puis non médecin téléphone médecin qui pour recevoir maintenant donc pendant me retourner au niveau de chambre d'hôpital hein, et me jeune avec plusieurs députés me expliquer ça ensemble avec eux moi dire mes côté processus là mais ça comme ça me jeune ça me retrouver au niveau de l'ambassade là yo dit moi même yo papa il prend ça en charge il va chercher l'hôpital moi États-Unis parce que si c'est eux même qui chercher l'hôpital moi il va taxer trop l'argent yo dit moi même en tant que étudiant pas de médecine pour me cap arranger me de ça et comme la presse là te commencer déjà pour me cap lancer message là tu vous me cap jeune des médecins qui pour accompagner qui pour aider me chercher l'hôpital là-bas donc qui pour opérer alors là pour le moment c'est dans cette situation ça me retrouver monsieur qui ça me besoin là qu'on y a là sauf que me besoin des médecins qui à l'étranger ou bien des grands citoyens qui à l'étranger donc qui attendent là qui aider me face à cette situation ça parce que pour ambassade là c'est que eux déjà répondre moi pour ambassade États-Unis déjà répondre moi parce que et soit garder même sous passeport là même titre de visa il y a bon dans gain yo remettre mon petit carte déposer sous passeport non même donc ça veut dire puis confirmer que visa et déjà gain visa sauf que c'est financement avec document ça demande non sauf que ça pour me retourner ambassade là pour ca bon visa me ca monter États-Unis mais c'est opération ça ça veut dire économiquement au besoin qui ça au besoin moins besoin exactement des médecins en Haïti ou bien des grands citoyens qui en Haïti qui attendent qui ca aider de ça faire contact avec quelque hôpital là-bas moi donc pour que moi même j'ai tout document qui n'a même ca voyer pour n'importe qui veut rentrer en contact avec de ça pour que yo voyer situation bar l'hôpital yo rentrer en contact ensemble avec pour moi aux États-Unis donc qui ouais médecin orthopédien qui ouais il ca opérer mon niveau de ca ça la vision un papier pour moi dire oui mais combien de temps opération ça prend oui yo ca faire opérer à l'aise pour que me subir opération ça et puis sauf qu'il y a bon papier moi en Haïti moi même m'a retourner avec l'ambassade là et puis sauf que l'ambassade là lui-même l'a servi parce que l'ambassade là même pas aucun problème ça et monsieur Guerrier me regarde ça très très fort et pendant me arrivé ambassade États-Unis et là au venir relève non me gagne environ de 14 consuls qui viennent garder au niveau de Camden par rapport des gens Camden empire jusqu'à présent pendant ma balance là c'est travail qui mène même côté m'arrivé parce que pendant ma parler volant j'aime zoulan mais moi non état qui très exagéré parce que regarde les opium qui tout dehors là pas tout clair dehors donc c'est ce que ma ça son cas extrême gentil n'importe monde cap de me de ça et me penser cap de me de ça et rentrer en bataille ensemble avec un médecin qui est qu'à l'hôpital États-Unis exactement oui oui et pour me joindre un médecin et ou même tout monsieur Guerrier même bon côté pas au niveau des contacts pour au cap garder qui sont café moi au niveau de situation parce que bagage trop bail qui retenir donc pour voir comment te capable de ça tout et c'est ce que m'a appelé ce message ça tout à monsieur Sandle Luca qui a vu Washington tout et me connaît qui gagne un peu le contact tout capable de ça et moi te perdre contact avec monsieur ça fait un qui ton numéro et probablement si grand monde qui aux États-Unis de médecin et qui capable fait suivi à pour et un qui ton numéro rapidement exactement et n'importe monde qui capable de me dire ça n'importe médecin n'importe citoyen qui capable de me dire ça et téléphone moi c'est 44 47 72 72 n'importe monde capable de mon niveau de situation ça et moi je lance ce message ça spécialement tout à monsieur Eric Jean-Baptiste et alors là qui habite de déjà alors là moi t'ai perdu contact ensemble avec m'a demandé pendant mes lance téléphone moi au niveau de radio pour qu'il rentre en contact avec mon comité commencer de c'est un gros patron qui est de m'en faire face à situation me retrouver maintenant donc m'a demandé à monsieur Eric Jean-Baptiste il a fait contact avec parce que téléphone moi t'ai perdu contact ensemble avec lui qu'a reprend contact ensemble avec pour que les continuer aider pour que moi sorti tête moi situation me retrouver maintenant. D'accord, merci en pile Joannis, bonne journée et nous espérons vraiment y a pédo pour capable aller faire opération. C'est beaucoup merci monsieur Guerrier, merci en pile. D'accord, bonne journée. N'a pas recevoir rapidement à Kodama à Amel Kazo qui les même travail dans CNSA. C'est sécurité alimentaire, c'est de ça nous pas parler matin là, nous a pas servi de base
eh ben dernier bulletin CNSA t'était metté dehors et également nous connaissons un rapport qui tout qui était sorti après passage Mathieu pour expliquer comment situation sécurité alimentaire liée insécurité alimentaire liée dans un département qui était touché au Agonam. Bonjour. Bonjour. Allô? Quel que soit le côté, attendez, non? Oui, allô? Bonjour, bonjour. Oui, oui, très bien. Oui, bonjour, guerrier. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Caraïbe. Quel que soit le côté, attendez, non, dans le pays et dans le monde-là. Et particulièrement, nous voulons saluer tous les auditeurs et auditrices dans le sud-est, plus précisément à l'arrondissement de Belan, comme une chose. Oui, donc ou c'est agronome, technicien dans CNSA. Je devais parler matin là de dernier bulletin nous sortions, malgré ma vie, c'est regarder, chercher là que je ne vais pas. Qui ça a gagné comme données là-dedans, qui constat nous fait? Ok, bulletin que nous sortions, dernière information que nous sortions, il fait état de situation actuelle en question de sécurité alimentaire, j'ai mon appareil, j'ai un pays. Et nous tout garder situation projetée. Et là, nous parler de situation actuelle. Nous parler de depuis février arrivé jusqu'en mai, fin mai. Et puis, nous font projection pour nous garder comment ça a lié à partir de juin pour arriver septembre. Et donner ça, il est sorti de différentes sources. Mais surtout, il est sorti dans l'évaluation que nous fait après passage cyclone Mathieu. Pour nous garder, nous évaluer situation et sécurité alimentaire dans tout pays. Et puis, nous croisons les données avec données de l'ensemble de l'autre institution, tant que IHSC, tant que Banque centrale, tant que données. Puis, pour nous garder situation sécurité alimentaire dans le pays. Et constat, révélé qui ça? Constat, voilà. De Kounia jusqu'en jusqu'en mai, pendant nous dans période que nous y est là, nous dans période côté y aurait les période sous dure en dans question économie agricole, ça veut dire c'est le côté stock manger kay mounyo kay nan ménage ou nan famille, stock manger ça li pi bas, li pi faible parce que y a pas gain tellement manger dans le jardin. Nous pas gagné tellement manger dans grenier ou dans stock yo, il y a les périodes sous dur. Et en même temps, ils correspondent à période côté mounio pral planter. Mounio pral planter parce que nous déjà pral entrer dans saison printemps, dans campagne printemps. Printemps, c'est l'heure n'a pas la pluie et que pour mounio planter. Et bien, constat ça lié. Après passage cyclone Mathieu, surtout dans le grand sud là, qui c'est sud Nip Grandance, qui était balayé en zone nan, que t'es moyen d'existence, moun yo, ça veut dire, base que moun yo gen, joint de revenu, joint de manger yo, il t'est sapé, c'était agriculture, c'était élevage là, c'était activité pêche que moun yo t'a fait dans zone nan, c'était commerce moun yo, et bien tout bas ça yo t'est frappé terriblement. Qui vient mener que, et bien zone ça, en grande partie zone ça, nous gagnons jusqu'à 70% moun nan zone ça yo qui pas qu'à manger satisfait besoin alimentaire d'une part, mais en plus ça qu'a privé satisfait on partie dans besoin alimentaire yo et c'est au détriment de en moyen d'existence, au détriment de terre yo, au détriment de bête yo, c'est bête yo ralé yo vendre, c'est on partie dans terre yo vendre, c'est stock semence yo manger, c'est qui reste bois. En tout cas, il y a un pied à terre, mais il y a un qui passe à terre, que vous coupez, vous faites charbon. Et des fois, c'est prêté à prêter. Ça veut dire que les villes mettent au nom de situation. Actuellement, ils n'ont pas gagné ressources suffisantes pour faire face non seulement à la manger, pour manger, mais aussi pour arriver à planter terre. Ça, c'est Kounia pendant la parole de Kounia. Mais ce n'est pas seulement Grand Sud, non. Pour nous mettre en accent tout sur le Nord-Ouest. Tout roi Thibonite, on a parlé de roi Thibonite, on a parlé de Anse-Cour, on a parlé de Terre-Neuve, on a parlé de Emery, on a parlé de Saint-Michel, on a parlé de tout en Rougonaïve, en Gaumont, on a parlé tout de toute zone nord-ouest, plus précisément zone BDN, Bombardopoli, Jean Rabel, Mont-Saint-Nicolas, et on a parlé de sud-est, surtout dans l'arrondissement d'Elan, surtout dans la zone Côte de Fer, dans la zone Bénin,
c'est des zones côté pendant la parler là on apprend la Gonave tout pour ne pas oublier et c'est des zones côté n'a parler là qui en ont situation d'insécurité alimentaire d'ailleurs qui préoccupante et son échelle de sur échelle de 1 à 5, ça veut dire si on a compté 1, 2, 3, 4, 5, 1, c'est ça qui est bon. Et pour arriver dans 5, c'est ça qui est mal, eh bien, zone ça qui n'a pas allé là, plus grandant, plus on passe dans le quotidien, il y a déjà en situation de crise alimentaire. Crise alimentaire, ça veut dire d'une part, il n'y a pas qu'à satisfaire les besoins alimentaires qui c'est 2100 kilocalories par personne et par jour. Il y a arrivé en plus de ça, il y a épuisé moyen d'existence, yo. Ça veut dire que les bêtes gagnent à vendre, surtout femelles bêtes. Et terre, yo, gagnent une partie dans terre, ou bien yo mettez en hypothèque, ou bien yo vendre carrément. Et stock qui est bois, qui gagne à éliminer. Et yo arrivé, en pile fois, yo arrivé dans le stade, c'était moun qui a demandé que yo. Donc voilà situation pour un moment que n'a pas parlé là, dans une zone qui était plus affectée, yo. Sans nous pas oublier. Même lorsque il y a l'autre zone dans le pays qui n'est pas affectée directement par le cyclone Mathieu, tant que le Grand Nord, on a parlé de Grand Nord, on a parlé de Nord, Nord-Est, on a parlé de Plateau Central, on a parlé de Reste, Artibonite, mais eux-mêmes, il y a l'autre choc qui t'est frappé. Sécheresse année 2015, effet sécheresse année 2015 et début année 2016. On a parlé de Grand Nord, là, inondation qui t'est faite tout de suite après passage cyclone Mathieu. Mettez tout pays à nos situations de et besoin, de grands besoins, non seulement pour manger, mais pour arriver à remettre et moyens d'existence en place. Voilà depuis ça n'a parlé Kounia. Et est-ce que nous mettons chiffre sur quantité de monde qui est dans la situation de sécurité alimentaire, Kounia? Oui. Alors nous avons deux phases. On a parlé de deux phases. Nous parlons de phase côté qui était directement frappée, zone qui était directement frappée par cyclone Mathieu, et puis tout le roi Tiboni, tout le bas nord-ouest, toute la Gonave et le sud-est, n'a pas allé et on partit dans Nip et Sud, là nous sommes en phase de crise alimentaire. Et phase qui est en crise alimentaire là, nous gagnons grosso modo entre 1 500 000 jusqu'à 2 500 000 monde. Bon, on dit en moyenne autour de 2 300 000 monde qui en phase de crise alimentaire. Et crise alimentaire là, li sérieux, c'est pas un jouet lié parce que moun yo pas arrivé manger et non seulement en quantité mais en qualité, mais ça yo gagne comme moyen d'existence, il a épuisé le tout pour yo reste yo arrêté en vie. Et l'autre zone que n'a pas les nord dans et le bas Artibonite, n'a pas les de l'ouest, n'a pas les de plateau central, ils ont même eu un stress. Stressants sont, c'est une phase qui est moins sévère que crise, mais elle est tout aussi préoccupante parce que nous avons commencé dans la phase côté, d'un moment à l'autre, ils ont qu'à tomber en crise alimentaire. Et là, ça, pour le moment, n'a pas les de environ 2 millions de monde qui ont stress alimentaire. Ça veut dire globalement, son population de 10 millions, eh bien, nous avons déjà gagné autour de 5 à 6 millions qui entre stress alimentaire et crise alimentaire. Ça veut dire que les décideurs n'ont pas qu'à dormir sous pareil ça parce que gagner des groupes qui sont des groupes qui sont plus vulnérables, il faut qu'ils tiennent compte de eux parce que gagner, nous, c'est extrêmement urgent pour eux, vous avez dit, ils n'ont pas qu'à arrêter de garder eux, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à déplacer, ils n'ont pas qu'à aller tête, pour qu'ils rejoignent des supports, pour rejoindre des assistants. Donc, on a une mission CNSA, c'est influencer la politique publique, une façon pour améliorer de façon durable les conditions de sécurité alimentaire de la population. Je vous dis là, par rapport à la situation qu'on décrit là, qui ça nous baille comme recommandation à l'autorité? Ok. Dans l'immédiat, parce que là, il faut nous décliner par étapes. Dans l'immédiat, c'est aider les groupes qui sont plus vulnérables pour être capables de joindre manger et sous plusieurs formes.
gagner des groupes qui ont même des assistances alimentaires tout carrément. Groupes qui sont plus vulnérables, monde qui en vieillard, monde qui malade, femme allaitante, monde qui a baissé, monde qui a pris en tête, et puis qui monde en bas âge, qui ont même mérité une assistance ciblée, une assistance alimentaire ciblée. Mais groupes monde qui ont même eu quatre travail, eh bien, monde à eux même, ils ont gagné moyen d'existence, ou bien c'est terre planté, ou bien c'est élevage à faire, ou bien c'est la pêche, dans zone qui vient pêche, zone côtière, ou bien c'est commerce à faire, eh bien, eux même, ils ont besoin, ils ont besoin en support, gagnoir, sous forme de crédit, ou bien tout un support sous forme de subvention, pour être capable de remettre et moyen d'existence en valeur. Mais, sans nous pas oublier que, en même temps, tout gagner et environnement qui a dégradé, eh bien, il y a des actions qui doivent adresser à protection environnement, tant qu'au aménagement bassin versant. Tant qu'au zone côté gain irrigation, c'est mettre mon yo travail, aider pour mettre travail dans zone là, mon yo a travail et puis a fait quoi? Il a travail pendant à protéger environnement, pendant à aménager et canal d'irrigation pour permettre que terre soit capable de river produit, pour permettre que de l'eau river pour produit. Eh bien, j'en d'accord, c'est ça, très important. Mais nous pas oublier tout. Nous pas oublier tout. Pour nous, dans une zone grand sud, là, son zone qui était, on dit, son zone agroforestier, que le ça veut dire que grand pile pied-bois qui est associé avec culture. Et là, on a parlé de pied-bois, on a parlé de fruits, mangue, d'avocat, cocotier, et la véritable, et on a parlé de café, cacao. Eh bien, bah, ça a tout frappé terriblement. C'est en même temps réhabiliter, mettre en place des pépinières, mettre en place des programmes de plantation pour remettre pieds bois à eux, parce que non seulement il y a bien l'environnement, mais il y a des fruits, il y a des cobs. Il y a des fruits pour nous manger, mais il y a des cobs tout pour mettre dans la poche de nous. Pas dans l'immédiat, mais sur un temps qui est relativement, disons, à moyen terme. C'est-à-dire entre 3 et 4 ans, ça va être réhabilité pour nous cobs. L'État doué à mettre en œuvre toute action sale. Sans oublier, et que nous-mêmes, comme CNSA, nous parlons seulement le court terme, nous, le moyen et le long terme, eh bien, nous, déjà, dans la phase que nous travaillons pour nous doter pays, un plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle côté différents secteurs déjà impliqués là-dedans, tant que l'agriculture, tant qu'on et la nutrition pour la santé publique, tant qu'on des programmes de protection sociale pour adresser à mon petit plus vulnérable, tant qu'on des programmes d'infrastructure, des programmes d'environnement et tout ça. Donc, c'est des bagages que nous avons déjà travaillé sur pour, de manière participative pour doter pays d'un plan à court, moyen et long terme. Merci un peu, la Godom Kazo. Donc, on a parlé avec vous peut-être une autre fois. Oui, vous avez ajouté. Oui, c'est avec plaisir. Et si vous permettez que, m'a dit que, dans la phase, entre juin et septembre, dans tout, nous prévoit que la situation est capable d'améliorer. Nous dit bien capable d'améliorer dans la mesure où, il y a une action que nous dit, qui vous faites dans l'immédiat, il y a vraiment bien adressé et il y a une situation capable d'améliorer. Sans nous pas oublier, à partir du mois de juin, nous allons rentrer dans la saison cyclonique. Ça veut dire tout. Il faut un bon plan de contingence pour la saison cyclonique. Pour ce n'est pas l'heure de nous rentrer dans la saison cyclonique. Là, on se trouve frappé. C'est là pour courir à gauche, courir à droite. Il faut déjà prévoir quel type de cyclone qui est arrivé et nous conscients de niveau de vulnérabilité environnementale pour nous capables et adresser ces questions à temps pour ne pas paniquer. D'accord. Merci un peu. Bonne journée. Merci à pile et bon travail, bonne journée et n'a pas voilà, Godom Amel Kazo qui c'est un technicien dans CNSA. Donc, n'a pas pour nous parler à Cli. Et à nouveau, plus sous question sécurité alimentaire. N'a pas arrivé dans fin journal là pour nous passer Jacques Adler, Jean-Pierre. Donc, on sait qu'on n'a pas parler de l'immatéen. C'est question du plastique, spaghetti plastique. Et nous avons des pile parole en pile dans la base Simon. Bon, côté que monsieur dit au tabac au manger du riz plastique bon vidéo qui a pas circulé mais nous te voyons journaliste qui pas capable joindre information sous question ça vraiment en base à 6 mois mais
spaghetti ou sont qui me définit avec spaghetti plastique. Oui, moi même j'ai on sachet là dans même son organisation qui baille en l'église li. Hein, dans zone de pleine non. Vraiment bon, et pas grand-ken rien. Bon, j'aime pas l'autorité, nous pas autorité, autorité nous c'est bamboche qu'on fait seulement. Nous apprendre un responsable dans ministère commerce qui t'a dit une enquête qui a mené, il t'a cherché échantillon. Bon, jusqu'à présent, on pas attendre rien. En tout cas, si au besoin échantillon. Qui t'a mêlé, qui t'a mêlé autorité ou policier mouri. Bon micro, qui t'a mêlé autorité ou policier mouri dans dire plastique, le bagaille. Bon, garder date policier après de mouri en bas balle, ceci cela et cetera. Yo même qui là pour bay moun sécurité, c'est yo même qui en plein insécurité. Oui oui oui. Bon, ou j'ai mon autorité que lever voir vous dire rien pour nèg ça pour moun jo. Je bamboche seulement nèg qu'on organise mon cher. Bon nous bamboche descend pas aller sur moun, ou atè nan figi moun, ça seulement yo propre. Bon nous fait parler avec Jenny Timo qui les mêmes ça activité pour même Adler qui c'est lauréate concours c'est Golden Classical Musique Awards. OK, donc li avec nous dans la radio là. Bonjour. Bonjour monsieur Guerrier. Oui, artiste, dis-nous comment l'activité a été déroulée et comment ça passé, qui sont gagnants comme prime vraiment. OK, donc bonjour tout le monde. Donc nous c'est Jenny Timo. Nous c'est une jeune chanteuse capois. Donc nous t'es inscrit dans concours responsable jeune chanteuse. Oui. T'es inscrit nous dans concours, donc nous t'es arrivé dans lauréat. Donc c'est pour la première fois que Haïti gagne un monde qui réussit champion dans concours ça. Concours ça t'es fait. Et aux États-Unis, mais tout processus était fait sur internet, tout paiement, tout bagage net. Donc nous t'es gay pour nous t'es à prendre prime nous et le 13 mars. Vous avez un visa pour bien là. Oui, qu'on y a là. Ou bien, ok, mais passeport. Nous t'ai fait approche à gouvernement. Donc, monsieur le président, Jovenel Moïse, t'es seulement là, qui ça sur Twitter, li, pour te féliciter. Donc, nous partageons. Oui, c'est pour la guerre sur Twitter, ça va. Oui, parce que mettez ça sur journal tout, Haïti libre, etc. Donc, nous-mêmes, nous partageons besoin ça. Nous pas besoin de féliciter. Nous avons besoin de félicitations, c'est important. Oh, mais oui, c'est très important. Oui, c'est très important. Donc, mais nous-mêmes, nous avons besoin de félicitations. Vous dites que vous avez besoin de petit bourrage en plus. Oui, nous avons besoin de petit bourrage en plus parce que non seulement c'est le premier haïtien qui réussit dans le concours ça et qui prend le représenter Haïti le 13 mars à Carnegie-Hall, New York. Donc, là déjà, son endroit qui n'est pas fréquenté par plusieurs artistes, son endroit qui n'est pas. Nous avons besoin de ça et Jovenel Moïse, président, l'attendant. Nous avons besoin d'accompagnement. Et gouvernement, parce que nous t'étions pour nous aller à l'ambassade hier, nous t'étions allés, donc les nous arrivés, on dit nous que forme nous manque correct. Forme nous manque correct. Donc, nous besoin d'accompagnement et gouvernement, parce que non seulement ces pays à nous pour nous présenter couple là, c'est ça, c'est pour bah, comme si vous-même, vous étiez supposé qu'ils doivent faire des marches. Oui, des nous pas de supposé, parce que c'est fierté pays à l'arrivée sur Internet, au pays, ou après c'est seul génitime, et tant qu'haïtien, après ça, c'est l'autre nation, ou après c'est Canada, États-Unis, France, Corée du Nord. À penser yo qui comprend. Mais si nous jouons ça, donc nous supposons encourager les jeunes qui ont fait effort dans ce sens pour nous jeunir. Et ça a vraiment honte pour les Carnegie, les crimes, Golden Classic, les crimes, pas venir pour un trophée pour me dire c'est pour visa. Que pas venir pour essayer en honte, mais c'est que la pied pour payer. Bon, je pense que vous dites exactement ce que vous avez dit. Vous avez arrivé très loin matin dans le journal là. Et nous souhaitons. Et moun qui concerne ou prend responsabilité ou non ça même parce que ministère la kelti ta ka peut-être font bail. Oui, nous te fait approche ça yo, mais ou pas répond nous. Nous fait tout approche ça yo, yo pas répond nous. Donc nous besoin accompagnement yo, parce que c'est juste une formalité. Oui, comme formalité. Si accompagnons nous, mais nous là nous pas de problème accompagnons mais nous là commencer dépenser nous et pas ou bien même demander ambassade américaine pour bon un visa pour visa. Oui, donc c'est pas problème comme que nous gagnons. Donc c'est juste passage là que nous besoin pour nous représenter Haïti normalement et à New York. Bon, nous souhaitons une possibilité pour aller à New York. Oui. Pour aller prendre un trophée. Oui. Merci Atis. Donc tout le monde qui t'a aimé tout, oui, bah il peut bah téléphone, oui. Ou bah nous quelques coups de pouce, parce que c'est pas un bagage nous pas faire par yon, c'est Haïti que nous représentons. Donc fierté c'est pour tout haïtien. Numéro téléphone nous c'est 31 85
39 82. C'est 31 85 39 82. Merci Yatis. Merci. L'autre point de la page qu'il tient là pour matin, mon courrier dit nous à moi là et tout le monde, c'est un plaisir pour nous faire qu'il tient là matin avec Atissa qui lauréat qui pral qui en difficulté matin pour la recevoir prélie parce qu'il beaucoup jeune visa. Donc nous demandons tout le monde qui est concerné et autorité aussi tout et président Jovenel Moïse et Atissa cité non, il dit ou te mettez ça sur Twitter quand ou féliciter Atissa. Donc si bon possibilité pour nous accompagner jeune Atissa, une jeune reine chanterelle qui sorti au Cap, n'a bien content d'entendre ou à recevoir prière. Oui, donc on a ça le besoin, c'est le besoin visa seulement. Visa, OK, c'est... mais c'est démarche là, c'est l'autorité oui. Au cadre juste une formalité oui. Fait parce que nous t'es allé hier dit et forme n'a manqué complet, manqué coup de pouce fanou j'ai. Ah OK. Eh ben ça c'est ministre affaires étrangères ou la présidence qui peut. Non, ça c'est pas simple. Elle dit la présidence t'es par exemple. Non, félicite au moins. Oui, mais justement, elle avait dit, où sous j'ai président. Si le grand félicite, elle dit, où sous j'ai monsieur. Elle dit, pendant le saut dans le carnaval, l'autre bois, là, m'a dit, si le petit gros bail, ça aussi, là, m'a dit, s'il t'attendait, même quoi, monsieur, attendez, vous n'avez pas la matinée, s'il veut le cabot, mon petit bourrade. Ok, on n'a pas le gars. Et, guerrier, tout le monde a fait un coup de fil pour nous. Oui, guerrier, tout le monde a fait un coup de fil pour nous. Là, font un coup de fil pour nous, là, au jeune viseau. L'autre point dans la page qu'il tire là, matin, pas oublié, samedi 4 mars qui est là, c'est Bello et Harry Luc qui est invité dans. Un programme ça a fait dans centre culturel haïtien avec performance artistique qui a présenté premier série atelier. C'est chaque samedi yo fait yo fait activité ça aller joindre Daddy Bobouin dans espace ça à côté lui recevoir manager producteur journaliste ingénieur son économiste etc sous industrie musique dans le pays d'Haïti avec industrie musique dans un pays l'autre bord de l'eau. Ce 28 janvier pour arriver samedi 25 mars activité ça les même la fête n'importe où et puis samedi prochain c'est pral Bello avec manager Harry Luc cap intervenir dans